En juin, sur BTV, c'est le grand retour de Big Little Lies, dans une saison 2 où les 5 de Monterey vont devoir faire face aux questions de la police et à celles d'une certaine Meryl Streep. I don't think I would get the truth, would I? Pour un vrai gros délire, les fêtards en goguette choisissent Budapest. Je crois que je vais m'installer ici. Satisfaction garantie avec Manu Payet, quelque part entre Borat et Very Bad Trip. Dwayne Johnson, coincé dans un piège de cristal, ça donne Skyscraper, où The Rock affronte un incendie dans la tour la plus haute du monde à Hong Kong. Comment t'as fait pour entrer ? C'est une longue histoire. Entre lessive et nuit blanche, Charlize Theron subit la maternité. Salut. Jusqu'à l'arrivée bouleversante d'une bonne fée nommée Tully. J'ai pas trop l'habitude qu'on fasse des choses pour moi. Vous avez demandé un taxi ? Attention, Denzel Washington, alias The Equalizer, est à nouveau de service. Vous avez fait une erreur. Vous avez tué mon ami. Avec lui, la route est semée d'embûches et de vengeance ultra-violente. Vous êtes prié de nous remettre tous les documents qui attestent de votre identité. 1976, un vol Air France de Tel Aviv pour Paris est détourné sur NTB en Ouganda. Je suis le maréchal Dr Idi Amin Dada. Une prise d'otage qui allait changer l'histoire. Objectif Mars pour Sean Penn. Voici The First, une toute nouvelle série événement sur la colonisation interplanétaire par le créateur de House of Cards. J'aurais tout donné pour pouvoir être dans cette fusée avec lui. Autre retour à ne pas rater, False Flag. Ils étaient présents à la cérémonie et ont tous les trois disparu après l'explosion. La série israélienne qui s'inspire de la guerre entre le Mossad et les services iraniens. Une authentique perle à ne pas rater. En juin, succès garanti sur BTV.